Yo 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 les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour l'épisode 44, à la fin j'étais vraiment vraiment en colère à cause des bugs. Mais mon ami Robbie m'a encouragé à continuer. Et m'a dit que pour résoudre les problèmes de bugs, il fallait dormir. Alors on va faire un test. Là je reviens pour l'épisode 45. J'espère que vous allez tous bien. Allez, pourvu que les personnages qui sont coincés dans les coins et sur les toits vont se débloquer. Parce que sinon, je vais encore. Oh! Quête échouée. Je m'en fous. Alors, quête échouée. Là, je vais voir mon personnage. Je crois que je ne me rappelle plus si je l'ai débloqué ou pas. Est-ce qu'il va descendre tout seul de lui-même? Bon, pour l'instant, il n'y a personne ici. Quant à l'autre. Hein? Il n'y a plus de manger? Il n'y a plus de nourriture? Oh, c'est pas vrai! Tout a encore été réinitialisé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? 4 points. Eh ben. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on va s'approcher. Bon, ça a pas l'air trop mal. Tout se réinitialise. Bon, on va pouvoir continuer. Merci, Robbie. Merci, merci, merci. Oh là là, tu me sauves la vie. Je me vois pas perdre. Je me vois pas perdre encore les 45 épisodes d'affilée. Bon. Allez, on va continuer l'histoire, merci beaucoup. Donc, on se voit très vite pour le prochain épisode. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il est trop tôt le matin, personne veut travailler, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il manque de la nourriture, on va gérer tout ça ensemble. Ah oui, là. Oh my god! Oh là 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 là. Ok, viande 112, on va les prendre. Carottes 50%, on va les prendre. Ah, j'ai pas de bol sur moi. Faut que j'aille chercher les bols et les assiettes. Et les maisons sont complètement empaillées. Je sais pas si c'est ça. Non, je pense que c'est ça. Oh, je manque de tout. Je manque de tout. J'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Oh là 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 là. Ils savent pas faire manger tout seul. Je vais prendre ça. On va faire un petit tour à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une catastrophe. Ah bah dis donc, il nous crée des espèces de difficultés maintenant. Ok, bon, je pense que je vais mettre. Ça va, maintenant même si c'est lourd, on peut courir quand même. C'est pas mal. Alors, on va essayer de cuisiner quelques plats. On va commencer par les choux. Oh. Combien? Des bols. Ah. Ok, on va en faire 5 déjà. J'espère que je vais pouvoir arriver jusqu'à la fin avec le fils, la femme et tout, hein. Oh là là. Si on prend tout son temps dans ce jeu, il y a de fortes chances qu'on gagne. Il y a très peu de chances qu'on perde. Bol, œuf, j'ai 3 œufs, non, j'en veux pas. Ok. Oh, des champignons! Mori. Waouh! On peut faire des plats aux champignons! Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, nous, ça nous oblige à avoir plein de choses en fait. Graines de seigle, pour l'instant, je touche pas. Ok, va falloir que je mette quelqu'un à la cuisine parce que. Voilà. Alors. Faut vraiment que je mette quelqu'un à la cuisine. Même si elle va pas très très vite. Voilà. Et là, on va chercher quelques bûches. Quelques rondins pour faire. Où est-ce qu'il y a des rondins? On va les prendre d'ici dans la boîte. Et on va faire les bols. Tiens, bah tiens, 4 bols supplémentaires. Bah ça va plutôt vite.
J'ai même pas le temps de vérifier le reste. On va prendre 20. 20, ça fait 100. Ici, on a beaucoup de cuir. Aïe, aïe, aïe. Bois de chauffage, 117, c'est pas mal. 600 kilos. Les couteaux, il n'y en a plus. Donc, les chasseurs vont pas travailler. Donc, je vais devoir rester sur place pour fabriquer des couteaux. Voilà. Bâton 137, on va tous les prendre. Les pierres, on va tous les prendre. Les rondins, on va quand même prendre pas beaucoup. Voilà. Et on va fabriquer des couteaux immédiatement. Pour y remédier à ça. Couteau, couteau, couteau. On va prendre, je sais pas, 12. Ça urge les amis, il y a urgence. Je sais pas si entre le moment où j'étais très en colère après les bugs et à aujourd'hui, peut-être j'ai fait trois épisodes, je les ai pas mis du tout, 42, 43 et 44. Donc là, je vais tous les mettre en même temps pour vous. Et vous verrez que voilà, j'ai hésité à exprimer, j'ai hésité à envoyer la vidéo avec toute ma colère dedans. Je me suis dit ça va peut-être pas vous plaire. Du coup, j'ai mis de côté, j'ai hésité à effacer, je savais pas quoi faire. Donc là, grâce à toi, Roby, j'ai remis la. Bah, comme j'ai pas encore effacé, les choses ont l'air de se remettre à zéro. Donc, je vais mettre les 42, 43 et 44. Et aujourd'hui, dans cet épisode, 45e épisode, vous aurez tout ça. Voilà. Allez, on va mettre les couteaux pour eux. On va leur donner tout. Voilà, presque tout. 12, voilà. Les haches, il y en a 5 ici. Haches en fer, il y en a pas mal. Donc, ça tiendra le coup. Les marteaux, il y en a pas mal. Et tout ça, il y en a. Les fossiles, je crois pas qu'ils en ont besoin. Ça, on va virer par terre pour l'instant. Non, on laisse comme ça, c'est pas grave. Pourquoi je suis trop lourd comme ça là? Ah, la pourriture, d'accord. 24, on va enlever un peu. 113, c'est toujours trop. Bon, la pierre, je vais remettre dedans. Quoi d'autre? Les cuillères, je mets dedans. Je sais pas pourquoi j'ai avec moi. Voilà, ça, c'est pas la peine. Hop. Pour l'instant, les bâtons. Je sais pas si j'en ai besoin. On va tester. Donc après ça, il va falloir que j'aille réparer toutes les maisons avant de commencer l'émission. C'est chaud, hein? Ma femme et mon fils, je sais pas quand est-ce que je vais les avoir. Alors, ici, ça doit être ça, non? Non, ça. Ici, sûrement. Ouais, bol, ok. On va en faire 10. Ah, ok. C'est pas mal, ça monte vite. 25, ok. Je comprends pas pourquoi les bols se sont stagnés comme ça là. Ou alors. Ah non, c'est parce que j'ai vendu trop vite. Ok. On va se calmer un peu avec la vente. On va se calmer un tout petit peu avec la vente. On va passer aux choses sérieuses. On va s'occuper des femmes hein, pour pouvoir se marier. Donc, on va aller là et on fait un peu de plat pour eux. Non, pas de ragoût. D'abord les carottes. D'abord les carottes parce que les carottes ont moins de valeur. 113 carottes, voilà. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est pas là. Carottes. Ah bah si, c'est ça. Lol. Donc, R. Allez, on envoie la patate. Je vais peut-être pas faire 54. Je pense que 19, ça aurait suffi. Même 12. Voilà, et puis tout le reste, je ferai en fin de journée. Je ferai en fin de journée hors enregistrement dans le noir. Comme ça vous ferait pas attendre les 100 plats. Il y a énormément de changements, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Il y a des choses sûrement
que c'est passé sous mon nez. Comme je gère beaucoup de jeux en même temps, au moins une quinzaine de jeux, j'ai pas le temps d'aller vérifier. Et puis d'abord, je cherche pas non plus. J'aime bien découvrir comme ça, petit à petit. Ça rend encore plus difficile. Voilà. Quitte à perdre un peu de temps, mais au moins, je découvre toujours plein de nouvelles choses. Voilà, j'ai une cuisinière ici. On va lui donner à faire. Désormais, c'est elle qui va fabriquer les plats aux carottes. Voilà, et c'est moi qui m'en occupe à la fin. Par contre, les champignons. Ah, on avait une mission de livrer les champignons. Du coup, on n'a pas pu parce qu'il était bloqué. Bon, bah, c'est mort. Bon, bah, c'est pas grave. On va lui rendre la viande. On s'en occupera à la fin de la journée. Voilà, les bols, on va lui donner tout. Hop, voilà. Les bâtons, non, c'est pas pour elle. La pourriture, on va mettre de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Les choses vont se remettre dans l'ordre petit à petit. Je vais garder les bâtons sur moi. Et ah bah. Ils réclament tous, finalement, ils n'ont pas mangé. Voilà. 12. Ok, très bien. Allez, on va s'occuper de la réparation de la maison. Alors, est-ce que j'ai droit à un peu de paille? Les haches, il y en a deux, ok. Engrais, 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 je vais mettre de l'autre côté, comme ça ferait des économies. Ils vont pas s'arrêter. Je sais pas s'il y a une plantation de carottes là, il va falloir ça. Ouh là là, beaucoup d'argent, les amis! Les plumes, voilà à quoi ça sert d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, ça commence à produire. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes... Ah, la pourriture, elle est là. Les sacs sont là. Ok. Ça va, ça va, ça va, ça va. Y a de quoi faire avec l'argent. Attends, j'ai oublié mes pailles. Mes pailles. Est-ce que j'ai un peu de paille pour moi? Non. Ah, si. Oh, bah voilà, beaucoup de paille. Excellent. On va pouvoir réparer les maisons avec. Ok. Peut-être un peu de planche. Je vais les garder sur moi au cas où. Voilà. Et je vais prendre quelques rondins au cas où aussi. Voilà. On sait-on jamais, hein? Est-ce que j'ai un marteau? Qu'est-ce qui se passe? Oula! Oh my god! Qu'est-ce qui se passe? Endommagé. D'accord. Ok, toi? Endommagé. Bon, bah, je suis là, je suis là, je suis là. On se calme. Alors, les compétences, on va les mettre. Ça, c'est bientôt mort. On va récupérer un autre marteau. Hop. 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 Voilà, dans ma poche. Donc, on va prendre le marteau dans la main, déjà pour commencer. Et on va mettre la réparation. Réparer. Voilà, on va commencer par ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Trois bâtons. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Alors, qui fait la gueule? Qui fait la gueule? Qui fait la gueule? 1, 2, 3 et 4. Je suis têtu, les amis, hein. Normalement, vous tous, vous aurez mis de l'argile et tout pour renforcer la maison. Et moi, je maintiens pour garder, enfin pour attendre jusqu'à avoir. Oh my god! C'est quoi ce tronc immense là? C'était pas comme ça avant. Vous maintenez, vous aurez mis des petites maisons, mais moi j'attends jusqu'à obtenir la maison de troisième niveau. Voilà, très bien. Là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Tout le monde y va bien. Ah, je cours, hein, je cours. Hein. Moi, je. Dans tous les jeux, je cours, je cours, je cours. De toute façon, le temps est ralenti. Mon ami Falcon m'a dit qu'on pouvait rallonger de 3 jours à 5 jours, mais j'arrive pas à trouver pour une année. Je ne sais pas où est le paramètre de ça. Voilà, pour l'instant, on est bon de ce côté-là. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil dans les. Comme on est en hiver.
ça consomme, mais voilà, ça maintient. Ça maintient, c'est une très bonne chose. Ah, j'ai complètement oublié de garder une nourriture sur moi. Va falloir que je drague aussi les femmes. Je vais... Bon, je sais pas quoi faire, mais... Il me faut absolument une femme et un enfant. Ça me manque. Je sais pas qu'est-ce que ça va changer. Mais bizarrement, j'ai besoin d'avoir une femme et un enfant. Donc, ce soir, quand ils auront tous fini de travailler et qu'ils se concentrent dans les... dans la taverne, je vais aller les voir. Hop là. Voilà, tiens, je vais vous allumer le feu pour un peu plus de chaleur. Voilà. C'est bon, tout le monde est bon. Ok. Faut taper toutes les maisons. Lol. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça a l'air bien. On dirait que c'est fini. Gestion. C'est bon, là, j'ai réparé tout le monde, non? Habitation. Habitation, bon. Habitation, bon. Extraction, pas de problème. Chasse, plus de problème. Plus de problèmes, plus de problèmes, plus de problèmes. Alors, est-ce que le moral peut remonter? Parce que moi, j'ai rien fait, hein. Voilà. On va aller voir les compétences. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a autant de compétences à la sortie de la saison. Alors, ici, qu'est-ce que je gagne? Perte de durabilité dans les haches. Ça, c'est pas mal. Ici, c'est déjà fait. Perte de durabilité lente dans les pioches et les pelles. Ça, c'est pas mal aussi. Et là, compétence provenant de l'extraction. Et là, allow you to recover half your resource when destroying building module fence. Ah, ok. On peut récupérer le matériel une fois qu'on détruit les trucs maintenant. C'est pas mal. Chance de trouver des objets, des trésors, fosses d'argile. Oh, c'est intéressant ça. On va tester un point de ça. Ici, c'est quoi? 15% de plus de trouver des ressources supplémentaires en extractant les gisements, c'est pas mal. Réduction de 10% de consommation d'énergie lors de l'exploitation forestière, minière et tout. Oh là là! Mais c'est sans pitié là, c'est dur hein! Accélération de l'exploitation minière, excavation pour les 10 prochaines secondes jusqu'à. Ah ouais! La pioche, est-ce que j'en ai besoin? On va prendre la hache parce que la hache surtout, voilà. Comme ça, je vais couper les arbres plus vite. Alors là, j'ai un point. Qu'est-ce que c'est ça? 15% de chance de en plus pour les ressources supplémentaires extraites sur les animaux sauvages. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ça nous fait donner beaucoup d'argent, beaucoup de, ouais, beaucoup. 5 points de compétences venant de tranquillité de chasse. 10. Et là, se faufiler fait 25% bruit en moins. Est-ce que j'en ai besoin réellement? Range répond is still. Ah! Voilà! Limite de piège plus important. Deux pièges. Ah, on peut avoir deux pièges. Et ici, tir à l'arc, chargement d'arbalète 10% plus rapide. Et ici, c'est plus stable. On va prendre ça. On va prendre ça, c'est très très important. Ici, on a un point seulement. Comme j'ai pas d'animaux, ça change pas grand-chose. Ici, les outils agricoles utilisent 10% moins d'endurance. Perte de durabilité des outils agricoles de 5% plus lent. Increase augmente les champs de 10%. Ah ouais? 10% de plus d'intensité agricole pour 10 prochaines secondes jusqu'à 1. Et là, réduction consommation d'endurance des montures. Non, ça m'intéresse pas. Siffler pour invoquer votre monture. Ça m'intéresse pas. Ici, 5 points de compétence en plus provenant des activités agricoles. Ah ouais?
va prendre ça en premier. Voilà. Très bien, c'est fini. On va passer. Ah, le plus important, c'est ça. Alors. During the conversation, personality and quality is visible, which make easier improve relationship and flirting. Ah! Eh ben. Oh là là, les deux sont importants. Ah, j'ai deux points, pardon. J'ai deux points. Alors là, c'est important pour la drague. Humeur plus lente. Humeur plus lente. Là, c'est mieux pour la drague. 10% affection plus. Ok. Alors, on va ralentir un peu l'argent. Comme j'ai besoin de séduire les filles. Réputation dynastie en plus. Ouais, j'ai vraiment besoin de séduire. 10 en plus. Voilà, j'ai besoin vraiment de séduire et le plus rapidement possible. J'espère que je me trompe pas. Je confonds un petit peu entre affection et approbation, je sais plus. Voilà, en tout cas, il me faut une femme très vite. Voilà, d'accord? 4 points ici. 4 points ici, champignons, c'est fait. Santé plus, c'est intéressant. Endurance, c'est quoi ça? Perte de nourriture et au moins, ça c'est intéressant. Endurance, déplacement plus rapide dans l'eau, ça j'en veux. Ça c'est quoi? 25%. Bigger alcoolo. Alcohol, résistance. Je vois pas d'alcool, donc ça me dérange pas. Perte de nourriture, c'est pas mal. Santé plus, c'est pas mal. Santé plus, c'est pas mal hein, pour se battre. Et là, 2 degrés, ça c'est pas un problème. 20%, 25% de résistance accrue à l'empoisonnement, je m'en fous, j'ai des médicaments. Donc on va augmenter la résistance, perte de nourriture. Et ça c'est quoi? Santé plus, ah, les deux sont importants. Bon, on va prendre santé plus pour les combats contre les loups. J'ai 4 points ici. Ici, fabrication plus rapide dans l'atelier de la forge, ça c'est important. Dans la cuisine, c'est déjà au maximum. Plus lent dans les marteaux, à la rigueur, je m'en fous, ça coûte pas cher. 5% de points de compétences supplémentaires grâce à l'utilisation des postes de travail à la taverne. Ah. Et là? Grâce à l'utilisation de forge. Oh là 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 là, c'est compliqué! Et là? Consommation d'endurance moins pendant la construction. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est génial ça. Voilà, merci. Perte de durabilité du marteau. Marteau. Je construis moins maintenant, donc on va prendre ça, un point de chaque, voilà. C'est bon, on peut passer à l'action. Quelle heure il est? Bon. Bon. Allez, on va draguer un peu les gens. Déjà, je vais essayer de séduire quelqu'un là-bas. On va vérifier pour voir si j'ai un peu de place encore pour habiter. Habitation. Ici c'est 2, ici c'est 1, mais je crois que c'est moi. Dalémir, c'est pas moi. Donc là il y a une personne possible, là c'est moi, là c'est moi, ok? Plus que deux personnes possibles, d'accord. Et là c'est un homme, d'accord. Là c'est un homme, donc il nous faut. Là c'est un homme, il nous faut deux femmes. C'est parti pour deux femmes. Là, ça va être la mission pour trouver une femme, les amis, hein, parce que là, je suis en chien. Je suis en chien. J'ai faim, j'ai faim de femme. Bon, qu'y a-t-il? Pardon. C'est quoi déjà? Non, c'est pas ça. Chasse 3, chasse 2. Oh, il est bien, elle. Oh, il est bien, elle. Je te connais ou pas? Erika. Erika. Allez, on va voir Erika. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, elle est toute. Je suis en train de créer. Vous avez une minute. Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous besoin de conseils? Ça va lui plaire. Plus 5, ok. Il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? Oh, ça, je sais pas. Hein. Je reviens tout juste de mon travail dans les champs. C'est un travail difficile. Je sais pas ce que ça va donner. Il fait beau. Eh mince, je suis con, on est en hiver. On va essayer de draguer quand même, non?
Ah non, bah non, bah non, bah non, j'ai perdu la parole. Aïe, 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 aïe. 63 d'approbation, affection 0. Hein? On va tenter elle alors. Il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? Je reviens tout juste de mon travail. Allez, on va tester ça. Peu importe. Plus 2 seulement. Ouais. Comment allez-vous ces temps-ci? 0, non! Mais non! C'est quoi ces triches là? Avez-vous une minute? Je peux plus lui parler. Je peux plus lui parler. Oh là là! C'est mesquin, c'est un truc de malade. Quelle belle robe vous là, voilà. Bon, je pense que là, on y va en hiver. Quelle que soit la robe, on peut lui faire un petit compliment quand même. Ne me rappelez pas, c'est tellement un peu pratique, difficile pour se déplacer lorsqu'on marche. Je vous dis que les femmes, quand je vous dis que les femmes sont difficiles, il faut me croire, Alina, amore. Qu'est-ce que tu pouvais me vendre en hiver? Graines de cerise, j'ai déjà acheté la dernière fois. Prunier, j'ai acheté tout ça. Semi-plante, houblon, bon, pour l'instant, combien ça coûte déjà? Hein? Eh ben dis donc, ça m'a coûté bonbon, hein. Ok, on en restera là très cher, d'accord? On verra ça plus tard. Est-ce qu'y a-t-il un homme ici? Unigos, tonton! Est-ce que je te dois de l'argent? Ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, j'ai rien besoin de lui. Ok, alors on va vérifier ensemble l'émission, histoire d'Unigos, pour l'instant il n'y a rien à faire. Histoire d'Alvin, 200 pièces, on s'en fout. Je continue ma quête de ma femme et mon enfant. On va planifier les champs de carottes ensemble. Alors, normalement tout le monde est au travail, n'est-ce pas? On va essayer d'avoir quelqu'un. Bon, c'est pas grave, on va mettre néon, comme ça c'est plus simple. Amore, tu vas bien? Parlez-moi de vous, je peux vous dire quelque chose, belle dame. Allez, on va voir. Quoi? Morale 18, je suis marié. Quoi? Déjà? Oh non, j'ai. Bah voilà, j'ai mis trop longtemps à la draguer. Du coup, elle s'est mariée avec quelqu'un. C'est malin, c'est très malin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu travailles pas? Plus 5. Ah ouais? Parlez-moi de vous. C'est moyen. Bon. Là, il y a un problème. Seigle. Là, il n'y a rien. Là, je suis en train de payer des taxes pour rien. Là, les carottes sont déjà faites. Ok. On est en hiver. Je crois qu'on peut planter que les carottes. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a un problème? Ah, ça monte. Ok. On va vérifier ensemble ici. Qui travaille pas. Oh non! Il est encore perché là-haut. C'est pas possible. Ah, c'est parce qu'ils sont trois. C'est parce qu'ils sont trois, peut-être dans le même poste. C'est pour ça qu'il sait pas où se mettre. Bah, reste là. Je te ferai descendre un peu plus tard. Hein. Engrais 80. La paille, il n'y en a seulement que deux. Engrais, je vais te les rendre. Houblon. Hein? Pourquoi j'ai autant de houblon sur moi? Pourriture, je vous les donne. Bah du coup, les champignons, c'est mort. On va aller essayer de voir aussi encore une mission à faire. Voyons voir. Là-bas. Attends, mais je peux la draguer, elle. Salut! Ingarda. J'ai tellement dragué que je sais même plus qui est qui. Oh, on dirait qu'elle est mariée. Oh, maintenant. Désolé. Vous êtes un peu trop jeune. Pas de soucis, pas de soucis, belle dame. Bon, elle, c'est elle que je visais au début. Elle doit avoir. J'ai beaucoup de points avec elle. Bonjour, Roberta. Voilà, 66, affection. Je me demande si je peux lui demander en mariage.
Je peux vous dire quelque chose, belle dame. Je vais lui demander en mariage, on sait jamais. Je ne veux pas perdre plus de temps sans vous. Épousez-moi, allez, go. Oh merde! Oh! J'avais pas vu que c'était zéro chance. Oh my god! Bon? Oh là 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 là. Et si on insistait la prochaine fois encore et encore? Ah, je suis dégoûté. Bon bah les amis, je suis désolé, c'est déjà la fin de l'épisode, j'ai encore échoué pour le mariage. On verra au prochain épisode, je vais essayer de faire autrement. Ok les amis, allez, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker et à vous abonner encore. Et laissez-moi tous vos commentaires. N'hésitez surtout pas. Là, je suis un petit peu perdu avec les femmes là. Allez, ciao, ciao, bye bye.